Hello amis, petit vlog, mais là c'est un vrai vlog de ouf parce que là je pars de Paris et je vais à Lisbonne au Portugal pour la remise des diplômes de ma soeur. Donc du coup voilà, bah, vous allez me suivre dans cette petite aventure. Donc là je pars avec ma maman, donc ça va être trop bien. Je vais vous montrer comment je me suis préparée. J'ai fait un petit make-up comme ça, petite boucle d'oreille, j'ai mis un petit ensemble comme ça. Voilà, à toutes. Donc là, on attend le RER A pour aller à l'aéroport. Il y a des perturbations. Il y a des perturbations parce qu'il y a les gens. Je sais pas en fait, ils font quoi les gens? Ils aiment trop aller sur les quais, sur les voies, nanana. Donc du coup, on sait même pas c'est quand qu'on va prendre le RER. Il y a le RER qui arrive enfin. On va pouvoir avoir notre avion. Enfin arrivé à l'aéroport. Après je vous raconte toutes les péripéties qu'on a eues. Dites-vous, le vol il est à 18h30, les portes elles se ferment à 18h et là il est 10... Il est quelle heure maman? Il est quelle heure? Il est 17h30. Oh là là là, comment on a couru. C'est une dinguerie comment on a couru. On est grave dans les temps et tout est elle est archi vie. Et par contre, faut que j'aille faire pipi parce que sinon, je vais faire pipi sur moi là. Même pas encore commencé l'embarquement. Les gens, ils rentrent pas encore dans l'avion. Je suis trop contente parce que de base, on devait pas être à côté. On a réussi à changer de place et on est à côté. Chloé, comme sur nous là, on peut faire moche. Non, t'es jolie. Non, t'es moche, elle a raison. Tu vois, il prend le métro. Est-ce que c'est pas plus rapide? Je suis restée longtemps dans le métro, hein. Chloé, ça y est, la caméra. La portugaise. Et ouais, donc là, il est portugaise, non? Non, la caméra. Fala portugais? Non, fala portugais. Oh, ça sent les vacances. Oh, ça sent les vacances. Commandé Taco Bell, c'est la première fois que je mange ça. J'ai pris trop de temps à commander, donc du coup elles vont manger sans moi. C'est vraiment des traîtres. Bah vous? Il arrive entre 22h10 et 22h20. Et là il est quelle heure? Et il est 22h. Non. Ah, arrive dans 4 minutes. La commande est arrivée, donc on va aller la chercher. Merci. Salut. À tous et toutes. Bah j'ai dit merci les gars. Et on va en France. Et c'est bon, ça fait une heure que je suis là, tu le déjà. Attends, il faut que je... J'ai enfin ma commande. C'est la première fois que je mange Taco Bell. Donc je vais faire une petite dégustation et on va voir si j'aime bien. J'ai pris cette boisson Sumol Laranja. Donc ça... C'est à quoi? C'est à l'ananas. Ah donc, c'est pas abacashi? C'est quoi abacashi? Abacashi c'est ananas. Et là il y a écrit Laranja. Naranja c'est orange. Mais ils se sont trompés. Ah bah alors ils se sont trompés parce que moi j'ai pas pris celui à l'orange, j'ai pris celui à l'abacashi. Ah ça me démerde. Ensuite donc j'ai pris des frites mexicaines. Ok. Pardon. En fait depuis tout à l'heure Chacha elle est fâchée qu'on soit là. Ça y est, elle veut qu'on prenne un hôtel carrément. J'ai lavé les draps. Elle a un petit peu suggéré que je ne voulais pas le prendre demain. Elle nous a dit, vous voulez pas prendre l'hôtel demain? Parce que elle rentre demain. Non, après demain. Elle rentre après demain et du coup, on prend un hôtel quand elle part, quoi. Et elle veut qu'on le prenne avant pour qu'elle soit tranquille ici chez elle. Ouais, bref. Et moi, comme ça, mon micro qui a mal, il y a un modèle que les femmes. On parle du fait que ce soit minuscule, en fait. Tu sais que j'arrive pas à finir. Maintenant, je force. Mais il y a du tiep dedans, un peu. Hein. On dirait que c'est super petit. Moi, je voyais ça comme un taco, genre la taille d'un taco, genre. D'un taco M. Regardez-moi cette taille. Tu sais que moi, ça, j'ai. On dirait une entrée. Vas-y, bref, c'est pas grave, on va goûter. Non, on bouge pas. En fait, je crois que c'est comme Fresh Burritos, en fait. Hein. SRT France, Marseille, ACE.
Le TPM. Alors, très bon. Les petites frites. Ah. Mmh. Mon vol, il est à 11h15. Les frites mexicaines, elles sont trop bonnes. Genre, c'est très épicé. Très bon. TSF, je crois, c'est en Italie. Je regarde les pommes. Ensuite, du coup, ils se sont trompés, ils m'ont donné celui à l'orange, à Skip. Oui, on dirait l'orange en plus, mais c'est l'orange en fait. Rabat. Et le premier, le 30, je fais 2h45. Je suis en aller-retour, quoi. Par contre, Marseille Rabat. Attends. Tu vois, tu as goûté? Ça se voit que c'est. Chimique? Chimique. C'est chimique de fou. C'est chimique de fou et il y a des, y a de la poulpe. C'est pas Abakashi, c'est la rincra. Tu sais quoi? J'aime trop. Oh my god. J'y vais. Ciao. Hello les guys. Donc là, on s'est réveillé. Il y a les bruits des travaux. Je sais pas si vous allez entendre ce que je dis. On s'est réveillé. On va aller chercher Mouna à l'aéroport. Après, ben, je pense qu'on va aller faire un petit brunch. On va manger. Et après, on va voir ce qui va se passer, ce qu'on va faire, etc. Mais de toute façon, vous allez venir avec nous pendant toutes les étapes de notre vie. Et voilà. Alors là, je suis prête. Je vais mieux vous montrer mon make-up. Il faut que je fasse mes lèvres dans le Bolt. Là, on va prendre un Bolt pour aller à l'aéroport. Je vais vous montrer les prix. Et vous allez... C'est une dinguerie. 5 euros, 4 euros. C'est une dinguerie. Tous les Bolt, ma soeur pour aller en cours et tout, tous les Bolt qu'elle prend, c'est genre 5 euros, 4 euros. Non, c'est celui qu'elle a pris, c'était combien? 2 euros, non? Oui. C'était 2 euros. Donc en fait, tu prends même pas les transports, tu prends que des Bolt. Si j'habite ici, moi, je vais prendre que des Bolt. Bref, anyway. Là, le Bolt qu'on a, c'est quoi? C'est une fille, c'est la première fois que j'ai une fille. On est trop contente parce que... Et on est que en pull. Elle, elle est même pas en pull, elle est avec une petite robe et il fait pas froid. Carrément. Dans le Bolt, les fenêtres, elles sont ouvertes et on sent un peu l'air frais, tu vois, comme quand t'es en vacances, là, je suis trop contente. Oh là là, ça fait du bien, t'es pas là avec ta doudoune, avec ton parapluie parce qu'il pleut. Ah, je suis trop contente. Donc je vais vous montrer les paysages, tout ça, vous allez voir, c'est incroyable. En fait, comme rien peut se passer normalement, là on est arrivé à l'aéroport pour chercher Mouna, on a pris notre Bolt et tout tranquille. Donc elle nous demande c'est quel terminal et tout. Não fala português. Mais bon, on essaye de comprendre. Et donc du coup, on lui explique que c'est Ryanair. Donc du coup, elle nous ramène au terminal 1. Sauf que Mouna, elle nous dit qu'elle est au terminal 2. Donc du coup, on prend un bus pour aller au terminal 2. Et là, en fait, on se rend compte qu'en fait, elle était au... on était au bon terminal où elle était. En fait, elle était au terminal 1. Donc là, on doit attendre un autre bus. Tu peux faire une vidéo, garde pour toi, t'as capté. Mais elle va changer d'avis. Oui, tu peux filmer toujours, peut-être que je vais changer d'avis. Bonjour, aucune classe. Ça soit sur les escaliers, comme ça. Et Rolfi. Non, pas Rolfi, Rolfi. Non? Ben si, Rolfi. Rolfi? Ah bah oui. Mmh. Je doute de mon Wolof depuis que je parle portugais. Oh, le fait. Oh, non, je peux pas. J'allais pleurer. On a toutes les trois, on a pleuré. Menteuse. Non, mais elle arrivait même plus à respirer tellement elle pleurait, elle suffoquait et tout. Je rigole. Non, on a pleuré un peu quand même. Mais en fait, c'est la première qui est passée, donc je la filme. Je vois, elle commence à pleurer. Là, mais mal commence à faire comme ça. Je suis comme ça et tout. Là, Mouna, elle me regarde. Elle dit, moi, j'ai pas envie de pleurer. Elle me regarde, elle voit que je pleure. Elle commence à pleurer. Non, c'était trop drôle. Et là, en fait, on se regarde tous. Ouais.
Allez, doucement. Non, mais c'était trop émouvant, c'était trop bien. De l'eau. Non, tu dis boîte à Jay. Boîte, ma femme. Boîte à Jay. Oh purée, j'en ai marre. Bah, quand il rentre, tu dis boîte à Jay. Boîte à Jay. Ça veut dire bon après-midi. Genre, c'est bonjour, mais pour l'après-midi. Boîte à Jay. Ouais. Boîte à Jay. Boîte à Jay. Regardez cet ascenseur, comment il fait peur. Je vais tester. C'est quoi cet ascenseur? Oh non, ça me fait peur. Please remember to close the elevator doors when leaving and not just for them. No lazy people. Oh, ça fait trop peur. Mais regardez-moi ça. Ça, c'est les trucs dans les films d'horreur en fait. Et en plus, en plus, regardez, il n'y a même pas de truc fermé. Du coup, là, on est dans un vault. On va aller se prendre un petit bout à manger et après, on va visiter la ville, tout ça, tout ça. Je suis trop contente. Chacha s'est changée, tout ça. Donc, on est carré dans l'axe. Donc, là, il y a Mouna. Tu veux dire quelque chose? Bon dia. Ça, c'est le matin. Boitadji. 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 Mais n'en fais pas trop. Boitadji. Boitadji. Alors là, on est dans le centre, c'est trop cute, cute. Ils ont laissé leur décoration de Noël. Mais je crois qu'à Paris aussi, je sais pas pourquoi je fais la photo. Voilà. Donc là, on va tester du coup le McDo du Portugal, parce que voilà, je sais pas pourquoi. Genre des nuggets avec des frites, 4 nuggets avec frites, c'est 2€. What the fuck. Donc déjà vous voyez que les chicken McNuggets 4 c'est 1,20€, je vais en prendre. Ah, il y a aussi des chicken delight. La box des 20 nuggets elle est à 6,90€. Un menu 10 nuggets et un McFlurry. J'en ai pour 7,75€. Bah ouais. Bon appétit les amis. Donc là, on voulait aller voir le Cristo Rey, mais on va y aller demain. On va encore continuer à visiter tout ça, tout ça. Et après, on va aller manger dans un restaurant chinois. Je suis trop contente.
Il nous reste encore demain et après-demain. Moi, avec ma mère, on repart samedi matin. Ma soeur et Mouna, elles repartent demain soir. Voilà. Là, je vous explique, on est rentrés et en fait, comme il y a Mouna, on pouvait pas tous dormir chez ma sœur. Du coup, là, avec ma mère, on a pris un petit hôtel en mode de nuit. C'était 55 euros, mais c'est grave. Non, 54, quelque chose. Bon, ouais, c'est la même. Et du coup, voilà. Et là, on va se préparer, enfin se préparer. On va les retrouver, on va aller manger. Donc, on vous retrouve après pour la suite. Mais franchement, la journée... top, c'était trop bien. J'ai kiffé. J'hésite à me changer, à me mettre en jogging et tout pour être vraiment à l'aise. Genre. Et je pense que je vais vraiment le faire. Parce qu'en plus là, on va marcher. Parce que depuis, et ça y est, nous on a goûté au Bolt. Pour tous les trajets qu'on fait, on prenait que des Bolt. On s'est dit, vas-y, là on va marcher. C'est 25 minutes de l'hôtel à chez ma soeur. Voilà, je me suis changée. Je vais mettre un pull par-dessus. Je sais pas si je fais une petite retouche de make-up. J'ai testé de faire des petits grains. Est-ce que c'est beau? Mais mon teint, il est un peu mouillé, donc je pense que je vais faire une petite retouche. Voilà, voilà. Du coup, là, on est prête. On va aller rejoindre du coup les filles. On va marcher. Ça va être trop bien. On va se péter le bide. Donc, c'est bon. On a trouvé un resto. Donc là, on vient de rentrer, on a bien mangé, j'ai mal au ventre carrément. Là, on est tellement fatigué, donc on va se démaquiller, se préparer et tout pour aller au lit. Et on se retrouve demain pour encore une journée de folie avec des visites et tout. Buonanotte. Buonanotte. Pourquoi tu fais ça? Hello. Là, c'est le matin. On s'est tout préparé. Elles nous ont rejoint à l'hôtel. Et on va faire un petit déjeuner. Je vais vous montrer. Donc, elles nous ont pris plein de petits trucs. Ces petites, elles sont super mignonnes. Et en fait, ça, c'est les spécialités des portugais. Oui, il y en a en France. Il y en a à Lidl. Mais j'ai jamais goûté, donc on va goûter. On voit bien, je suis belle. Oui. Attends, on voit ta maman derrière. Alors, donc je vais faire une petite dégustation. Ah, moi. Mais c'est bon, on peut te voir, c'est pas grave. Donc voilà, on va déguster ça. Ça, c'est naturel. Ça non. Ça, c'est nature. C'est super bon, on dirait un flan en fait. Mmh, t'as vu, on dirait un flan perdu en fait. C'est super bon. Ah, mais c'est super bon, je suis choquée. À chaque fois que je voyais ça à Lidl, je me disais non, ça se voit, c'est juste du pain grillé. C'est super bon, wesh. Alors, ouais. Là, on va. Au Cristo Rey. Enfin, c'était vraiment le truc que je voulais voir de ouf. Donc là, on se dirige vers là-bas. Séance photo. Oul, eh hey, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne celle-là. Você vem em mim incender no movimento mantém cavalgando de quatro toma tapa na rapa de ladinho só botada.
Donc là, on était au Brésil, on a vu le Cristo Rey et c'était incroyable, magnifique. Après, on a vu le pont comme à San Francisco. Incroyable, magnifique, on a fait des photos, des vidéos, vous allez voir de toute façon. Là, on essaye de trouver des petites rues pour pouvoir prendre des Bolt. On est un peu perdu. Mais bon, tranquille quoi. Mais je vais vous montrer un peu les rues, c'est magnifique. Toutes les rues, c'est archi coloré, les maisons et tout, c'est trop beau. Alors, c'était comment le Cristo Rey? Sympa. Ouais. Très belle. Taxi, on est au centre passager. En fait, j'ai l'impression qu'ici tout est beau. Peut-être c'est parce que j'ai trop l'habitude de la France, mais ici tout est beau. Genre, je vais vous montrer. Trop le mafé. Elle, comme elle a tellement faim, elle pense qu'au mafé, elle pense que ça sent le mafé, ça sent pas le mafé. Du mafé, du mafé, du mafé. Donc ici, il n'y a pas de mafé. Pourtant, il y a un resto africain, mais c'est que les pays musulmans. Oui, c'est incroyable. C'est trop beau. Les filles, vous en pensez quoi? Non, très beau l'extérieur, on adore, on va à l'intérieur maintenant. Tout le bon. Donc on va voir si on a les mêmes magasins. Il y a les mêmes. Non. Premières impressions du centre commercial. C'est beau par là, mais si vous regardez en haut, il y a un petit souci. Bon, tout ne peut pas être parfait. Du coup là on a fait un peu de shopping. Voilà, on a acheté des petits trucs à lefties. Et franchement, incroyable, les trucs tellement pas chers. Genre, on a acheté des talons qui m'ont coûté 30 euros. Ouais, 9 euros. J'ai acheté une casquette et un pyjama. J'ai acheté deux paires de talons pour ma mère et un body et un manchon noir. Ouais, j'ai pris aussi une paire de talons, mais franchement, incroyable. Là, on va manger un truc qui a l'air archi bien, je vais vous montrer. Donc, c'est la paria, comme ça. Et franchement, les menus, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez, ça coûte tellement pas cher. Tous les menus là, de la viande avec frites, boissons, tout ça. 9 euros, 11 euros, nanana. Et vous choisissez là entre tous les différents trucs là. Incroyable. Là, c'est des champignons, rassure-moi. Oui. C'est des champignons. Qu'est-ce que c'est là? Bon, je pleure. Ah, c'est des champignons. Non, c'est des champignons. Mais ici, en fait, on va vous expliquer un truc. Raconte-leur, Charlotte, la bolognaise. Raconte-leur. En fait, juste ici, ils mettent du porc partout, voilà. Non, ils mettent pas partout. En gros, j'étais partie. Parle un peu de porc, s'il te plaît. Et en fait, j'ai pris des pâtes bolo. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte quand j'ai fini l'assiette qu'il y avait des lardons dans les pâtes bolo. Ouais. Et elle a tout mangé. Tout est dans son sac. Mais je savais pas. Elles étaient trop bonnes. Je voulais en recommander quand même. Elles étaient genre des vraies pâtes italiennes. Avec parmesan. Le bagnéra. T'as dit quoi? Pas de bagnéra, mais pas pour les pâtes bolo. Ah ouais, ouais, c'est ça. Donc là, du coup, on a commandé. Et on attend. Ils nous ont même donné un truc pour avoir des pastel de nata offerta. Hein? Non. C'est quoi? Dis. Non, c'est pastel de nata. Moi, bon, en fait, je vais vous expliquer, je parle un peu moins de temps. Des pastel de nata. De nata. C'est pas des pastels. Elle dit pastel. Elle pense que c'est des pastels, en fait. Elle, c'est une Sénégalaise. Elle connaît pas les trucs des portugais. Très framboise, merci. T'as découvert quoi sur notre bon truc là? Ah bah, et le porco, hein, bien évidemment. Bah en fait ça on pensait que ça allait être des champignons. Mais c'est des champignons. Il y a des champignons. Mais là on voit bien qu'il y a un morceau de porc là. C'est pas des tomates? Non, c'est pas des tomates, maman. Ouais. On va goûter. T'as pas mis trop? Si. Si, c'était de l'huile d'olive et du vinaigre. Moi j'ai mis les deux. Huile d'olive et vinaigre. Faut que je mette du sel. Hein. Oui, faut que je mette du sel. Il est où mon sel? On m'a demandé. Moi j'ai demandé. Oui, tu... Ça c'est du lardon. Clé de lardon. Oui. Moi j'aime trop le sel encore. C'est pas bon pour le cholestérol. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, moi j'ai eu que deux morceaux de porc.
Ah, moi aussi. Là, j'en ai eu 4. Nickel. Nickel chrome. On goûte. Celui-là. On a un peu de chocolat. Alors Elle est bonne. Elle est bonne. Toi, Marie, ton saumon. Même du sel. Ça va. Tu restes du sel là-dedans? Non, j'ai fini tout le sel. J'ai goûté le caramel. Ma première, t'as goûté. Bien. Mais je me souviens plus du goût. Mais là, vu que c'est frais, c'est pas la même chose. Ok. Est-ce que vous allez dire? Donc, ça, c'est une boisson du coup du Brésil. Guarana. T'as dit que tu voulais pas un truc gazeux? Ouais. On va goûter. Magna. Ah, ça. Ah, il y a une énorme cellulisée. Trop bon, mais ça goûte quelque chose que je connais. J'aime bien ça, mais ça goûte une boisson rose là. Ça goûte une boisson qu'on connaît. Ouais. Elles ont leur vol aujourd'hui, elle a l'état de lieu, donc voilà. Il y a des choses à faire. Ouais, je vais nous laisser. Alors, au revoir. Franchement, Lisbonne, c'était bien à refaire. Ah ouais, t'as kiffé? C'est quoi la nouvelle destination? L'Espagne. Bisous. Bisous. Maman pleure pas. Hein. T'inquiète, tu vas la revoir ta fille. Hello. Donc là, on va rentrer un peu, se reposer. On était dans le centre commercial, du coup, on est resté un peu dans le centre commercial. Et on va. Et j'ai acheté des trucs, je vais vous montrer quand je vais rentrer. Une petite folie et après je pense qu'on va ressortir pour notre dernière soirée, peut-être vers la plage, prendre une petite glace et tout se balader, et demain matin on rentre en France. Voilà, on vient de rentrer et je voulais vous montrer un peu les achats que j'ai fait. En fait je suis deck parce que j'ai pas mon trépied, donc je sais pas où je peux poser le téléphone pour pouvoir vous montrer bien les choses quoi. Je vais essayer de trouver une solution et je vais vous montrer tout ça. Alors je suis un peu coupée, mais bon, on est allé dans un magasin qui s'appelle Lefties. Vraiment c'est un magasin de ouf, genre c'est comme Primark un peu mais en moins cher, avec des promos de ouf, il y a plein de trucs, vêtements, tout ça, franchement incroyable. Et donc du coup j'ai acheté quelques petits trucs, donc j'ai pris une petite casquette, je voulais une casquette délavée noire, gris comme ça, et bah je l'ai trouvée celle-là, elle était à 7,99€. Pas mal. En plus j'ai acheté un ensemble à bout qui a un peu cette matière, donc je vais mettre avec, ça va être incroyable. Ensuite j'ai pris un petit bas de pyjama comme ça, noir, pour l'été, genre c'est des petits bas que t'as besoin de ça genre. Donc j'ai pris en noir, c'est effet satiné. De base il coûte 6,99€, je l'ai eu à 1€. Et j'ai pris une paire de chaussures là-bas, petite paire comme ça. Comme ça, quand on la voit comme ça on se dit... Incroyable portée, incroyable. Du coup j'ai pris en taille 37 alors que je fais du 38 tellement je les voulais. Il y avait bleu aussi. Elles étaient en 38 mais vraiment celle-ci j'ai eu un coup de cœur portée. Oh, plus le talon elle est pas super haut donc ça va. De base elle coûte 29,99€ et elles sont passées à 9,99€. Et on a vu ça, on en a pris. On en a toutes pris comme ça. Grise, jeans gris genre. En vrai ça va bien avec ça. Voilà, donc c'est tout pour ce petit magasin. Ensuite, on est allé à Adidas. Moi, ça fait un moment que je cherchais Adidas Campus et tout. Mais elles sont toujours en rupture de stock, c'est une dinguerie. Là, du coup, je suis allée, je me suis dit, vas-y, viens, on va voir Adidas et tout. Il y avait les noirs et il y avait les grises avec les bandes noires. J'ai essayé les deux et tout, mais j'ai pris du coup les noirs. Quand je lui ai dit taille 38 et qu'il avait les tailles 38, mais j'étais choquée en fait. Du coup, j'ai pris direct. Voilà, taille 38. I'm so happy! Je suis trop contente! En plus, cette chaussure elle fait trop un beau pied. En tout cas, moi elle me fait trop un beau pied, genre parce que j'ai des petits pieds. Donc ça fait trop chou. J'adore. Donc, du coup, voilà, c'est tout pour les achats. Maman aussi elle a acheté quelques petits trucs. Elle a pris que des pyjamas. Donc voilà! Là, du coup, le programme. On va se reposer un peu parce qu'on est trop KO. On va faire les affaires et après on va ressortir le soir. On va voir ce qu'on va faire. Et demain, bah, du coup, comme je vous ai dit avant, notre avion il est à 10h et quelques. Donc demain on aura le temps de rien faire, juste de partir à l'aéroport. Voilà, donc du coup je vous retrouve après. Dernière petite balade. C'est la dernière, ouais. Franchement, c'est assez triste. J'ai pas envie de rentrer. Là on va retourner un peu vers la plage. On va essayer de se trouver un petit truc, genre un petit dessert, genre une petite glace ou un petit truc comme ça. Et on verra quoi.
Kiki. Soleil deux jours là, ça y est, je bronze. Hello, donc dernière journée, enfin end of the travel. Là c'est bon, on attend le Bolt pour aller à l'aéroport. Et voilà quoi. Franchement j'ai pas envie de rentrer, mais bon, j'ai pas le choix. Donc on va rentrer. L'avion il est à 10h. 10h et puis 45. 10h45, donc ça va, là il est 9h03. Le Bolt il arrive dans 2 minutes. Donc voili voili. Porte avant. Là je suis dans l'avion, je suis à ma place, mais normalement elle est pas à côté de moi, donc on va essayer de voir si c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui change de place. Mais I'm not sure. Parce qu'elle est super loin en fait. Et là maman elle a demandé à quelqu'un. Il a accepté. Donc là j'attends que les gens ils rentrent et tout, et après je vais aller m'asseoir à côté d'elle. Je suis un peu trop jeune, mais en fait c'est parce que je vais pas filmer les gens à côté. Retour en France. On est arrivé à Paris. Enfin, Beauvais. Archi loin déjà. Je suis trop dead. En fait, il fait pas froid. Par contre, il fait pas froid. Mais tu sens qu'il n'y a pas le sunlight, le soleil, tout ça, tu vois. Là, je suis trop dead. Mais en plus, j'ai même pas pu me mettre à côté de maman. Je vous explique après. Je me suis emmitouflée parce qu'il fait tellement froid. J'avais éteint le chauffage et tout. Là, il fait super froid. Donc là, on vient d'arriver. Le voyage, ça s'est bien passé. Voilà, on a pris un petit bol pour rentrer. Parce que franchement, on était trop fatigués pour faire les 2 heures de transport. Et 3 heures, oui. 2h40. 3 heures plus. Ok, 3 heures de transport. Donc là, je pense que je vais dormir. Oh là là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, activer la cloche de notification. Bisous.